Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre une vidéo dans un test sur Premiere Pro facilement. Pour ce faire, importez votre vidéo sur la timeline. Ensuite, prenez l'outil test et écrivez votre test. Moi, de mon côté, je vais écrire test. Ensuite, je vais agrandir la taille du test. Voilà. Donc, vous allez agrandir ça selon votre préférence. Voilà. Je pense que c'est bon pour moi. Ensuite, nous allons ajouter l'effet incrustation cache de piste. Pour ça, nous allons d'abord agrandir le calque du test. Voilà, super. Donc, je vais aller maintenant sur effet et rechercher l'effet incrustation cache de piste. Incrustation cache de piste. Voilà, voici l'effet incrustation cache de piste. Vous glissez l'effet sur la vidéo, voilà, sur la vidéo. Donc, vous glissez ça sur la vidéo. Ensuite, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons aller au niveau des options d'effet. Scroller vers le bas. Vous allez voir que l'effet incrustation cache de piste est appliqué à notre vidéo. Maintenant, venez au niveau de cache. Cliquez sur là où c'est écrit aucun, parce qu'actuellement, le cache est sur aucun. Donc, vous cliquez dessus et vous sélectionnez la piste de l'élément sur laquelle vous voulez appliquer la vidéo. Actuellement, le test est sur la piste V2 et la piste V2 représente vidéo 2. Donc, nous allons cliquer sur vidéo 2 et là maintenant, la vidéo est appliquée sur le test directement. Donc, si votre forme ou bien votre test est sur la piste V3, là, vous allez choisir vidéo V3. Donc, c'est comme ça, ça marche. C'est très simple. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme vous le voyez, la vidéo est en train d'être jouée. Tout simplement, c'est pas compliqué. Et c'est tout.